Et nous voilà de retour pour la suite de cette rencontre entre Foot et Ville Genius 6. Une première map accrochée, avec une forte domination d'IG, une remontée des Foot, mais on n'arrive pas à conclure côté turc. Ouais, c'est clair. Maintenant, faut pas être frustré hein, côté turc. Tant pis, c'est comme ça. On laisse tomber, elle est plus là, elle est plus à refaire cette carte de Pearl, tous ses efforts. Bon bah, tant pis. On passe sur Bind. Et on espère pouvoir aller accéder à cette carte d'Ascent, en tout cas côté Foot, alors qu'on pourrait terminer tout ça et avoir notre deuxième équipe qualifiée après cette Bind pour IG. Ouais, Bind qui a été le choix de carte de nos chers amis turcs de chez Foot. On va voir un petit peu ce qui va être proposé en termes de composition, est-ce qu'on va avoir des nouveautés. Et elle s'affiche à l'écran, mon cher héros. Oh, on va garder le caillot côté Foot, j'aime bien. Petite chamber de sortie pour IG. Ouais, bon, c'est l'une des cartes avec Lotus ou le chamber, à part pour les japonais. On a vu que Laz se faisait plaisir avec le chamber, mais ok, très bien, le chamber sur Demon One. Sur Demon One en plus, hein, je suis curieux de voir ce que ça va donner. La Sky, le Brimstone, la Viper et la Raze du côté de Jogemo. Bon, assez classique, à part le chamber, bien entendu. Et je crois qu'il y a eu un... Ah, j'allais dire, je crois qu'il y a eu un petit changement du côté de Foot. J'avais des souvenirs d'attaque à Tan sur une Sage. Mais je dois me tromper quand je vois le pourcentage de pique à 100%. Ouais, c'est vrai que cette composition ne dit rien non plus, mais ils ont forcément déjà dû la sortir. Avec ce caillou hein, qui est bien apprécié hein, de la part des Foot. Seule équipe aussi qui joue avec un Gecko sur Haven, une des seules en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses, Loki? Tu vois, IG se qualifier dès maintenant ou ça va être dur? Bah, je pense que le match va être, je pense que le match va continuer à être serré. Je pense que côté composition, on a quand même pas mal d'atouts côté Foot, notamment avec le caillot qui va permettre du coup de silence et d'accélérer un petit peu le jeu. Et le chamber, t'en penses quoi du coup? Parce que il devient assez récurrent sur Bind. Ouais, en vrai le chamber pour moi il est viable. Je pense que en vrai sur Bind t'as pas forcément besoin d'avoir deux trappes ou une tourelle en Alamboard, un seul suffit. Du coup, ça permet quand même de jouer un peu plus agressif. On sait Demon One c'est un dueliste de base, donc ça lui permet voilà, d'avoir un rôle mi-dueliste, mi-sentinelle. Ok. J'aime bien, en vrai j'aime bien. T'en penses quoi toi le chamber? Moi je suis assez convaincu aussi. Je trouve pas Killjoy ouf sur Bind, en vrai. Je trouve pas Killjoy incroyable. Ouais, non, c'est pareil. Je trouve Cypher ok, genre c'est ok. Je trouve le sniper d'une réelle force en fait sur Bind et les piques agressives dont tu parlais, notamment en défense, hein, tu vois, ouais. Sur le tank, au niveau de la longue, au niveau de la hookah, des petits piques. Il y a beaucoup de ligne OP, ouais, shower, longue, comme tu viens de le dire. Il y a pas mal de trucs à faire et on va pouvoir partir directement sur cette deuxième carte, Bind, IG en défense, Foot en attaque. Ouais, IG qui mène dans ce BO qualificatif, on vous le rappelle, pour les quarts de finale. Hein, une place en playoff pour une de ces deux équipes, la grande gagnante de cette rencontre. Des Foot qui, pour l'instant, se battent bien. Prise d'information au niveau de la shower, on n'a rien vu. Pourtant, c'est bel et bien en A. On va décider d'aller. Boussio qui... Voilà, je veux dans la smoke, ça se joue à pas grand chose. Ouais. Il a en plus la tête dans l'iPad, on y va sur une pop flash, mais Boustio pas aveuglé. Boustio il a ramené dans le timing, le premier, le deuxième, le troisième. Pour Boustio, c'est toujours Boustio sur les pistoles ROM qui va se saisir directement d'un triplé et mettre les Turcs dans une situation délicate. Mécaniquement, le move il est parfait. Il est juste parfait, comme qui en plus de ça vient de resserrer et qui aura une information sur Attack Captain et Kiwi qui. Vont se diriger au niveau de la short, on a l'information, dommage comme il n'avait pas besoin de forcément tirer, attention il prend cher et il va même se faire... Ok, chercher, il arrive à assurer le kill sur Kiwi et là Boustio, ouais, ça sert à rien d'y aller, ça sert à rien de donner des kills à ta captain. Triple ligne ensemble et pistole remportée pour IG sur un magnifique moins 3 de Boustio. On joue avec cette smoke de Brimstone, on arrive à rester dedans. Moi j'étais pas naïf du tout, on l'a vu, il a checké la position mais... Boustio s'est décalé à peine et ensuite sur la flash du caillou on décide de traverser, c'est millimétré, c'est parfait. Même pas eu le temps de toucher à la race hein, qui décalait la chaleur. Il n'y avait rien à faire et c'est lui qui a clôturé la carte de Pearl et c'est lui qui vient d'ouvrir celle de Bind. Boustio, capitaine, leader in-game, sentinelle, smoker, quel homme. Allez, évidemment, écho sèche pour Foot, hein. Ça n'a même pas grid sur un shérif, rien du tout. On sait, hein, on le sait, on est mené. Il faut assurer après sur ronde d'armée, c'est important. Et on va pouvoir quand même
prend de l'espace au niveau de ce. Ah, il y a eu une rotation. Hein. Ouais, après Lolo, là, tu le vois, mais il y a quasiment toute la défense hein, déjà présente sur le A. On va aller chercher le spawn. C'était une idée intéressante, mais beaucoup trop scuff de la part de Com qui va prendre le premier kill. Même se permettre de grid et d'aller chercher plus loin la grenade de Joe Gamo qui va faire deux kills. Accompagné de son kill à la Stinger, il ne reste plus que Mr. Pauline. Qui est déjà mort, c'est le deuxième round, sans problème pour Edgy. Pas mal cette petite Kobe Bryant de l'ami Jogemo. Bien placé. Pour une bonus à venir. Qu'est-ce qu'on propose côté foot? Il est important celui-là, on le sait, Edgy a remporté hein, le premier round bonus sur Pearl. Ce qu'il a fait repousser, ce qui leur a d'ailleurs permis de prendre énormément d'avance très rapidement dans la rencontre. Et je crois qu'il y avait genre 8-1, 9-1. Ouais, il y avait un truc comme ça, il y avait fleuve, quoi. Un gros fleuve et foot s'est accroché. Jusqu'au point d'avoir la balle de map, 12-11, mais c'est malheureusement effondré dans les derniers rounds après cet overtime. Allez, round bonus à venir, on a l'air de partir sur un contrôle de carte assez classique. Il va où ce caillou de knife? Attention, on agresse là au niveau de la longue, mais c'est qui s'en sort avec un 2 pour 1, bonne opération. On y allait à 4, hein. On a laissé la raise de Jagemo seul au niveau de ce A et... Je pense qu'il va être checké, il aurait pu surprendre là avec cette décale Stinger. La Nade elle est... Oh elle est ratée, mais il prend quand même le kill sur Crax. 4v2 sur ce round bonus encore. Un gros round bonus DJ, il faut arriver à renverser la vapeur côté foot, ça va être compliqué. Ouais non, là un triple décale au niveau du spawn, Mr. Pauline ne peut rien faire, il se loupe même un petit peu. Il ne reste plus que Mojlo HP, il en a enchaîné deux. Mais ce ne sera pas suffisant face à Boustio. Allez, le round bonus à l'image de Pearl est remporté par Edgy. Et avec la manière, un gros pic agressif au niveau de cette longue 2, on vient complètement déranger le contrôle de carte de ces joueurs de foot. Et ensuite, le kill important, c'est Jogemo. Au niveau de cette short, il était seul avec son Stinger. S'il tombait, c'était un 3v3, il essaie tout l'espace en A, mais non, il prend le kill, il assure le 4v2. Il permet de gagner du temps grâce à sa grenade, s'il gagne. Et 3-0 pour les Américains qui soufflent en couille, qui se rapprochent étape par étape de cette victoire. Ouais, surtout que là on refait tomber une nouvelle fois un foot en économie. Oh, Jogemo qui prend tout de suite de l'espace. Bon pré-fire, mais on ne rentre pas dans la ligne hein, pour les joueurs turcs. Mais Boustio déjà positionné au contact, est-ce qu'on va s'en douter pour Atta Captain? On y va sur une pop flash qui est loupée. Mais Jogemo réussit dans la smoke, éliminera directement le smoker. Vengeance de Crash tout de même. Ça t'apprendra. Ceux qui a voulu aller chercher un petit kill alors qu'il avait l'avantage. Attention à Moj. Attention à Moj qui a... Rive à se débarrasser de Com au niveau de cette lampe. Jogemo il est tout seul au niveau de cette shower, mais Ethan qui prend la TP au meilleur des moments, triplé de la part d'Ethan, magnifique. Ils s'en sortent bien, ils ont clairement surjoué là au niveau de la shower. Ouais, on a l'information plus de ça, sur moi j'allais valider, est-ce qu'il décide de décaler? Attention, on va pas prendre de risque, Demon One est en train de resterrer. On a l'information hein, sur le joueur, utilisation d'une flash, elle est ratée, c'est bon, l'utiliser. Ah, Ethan il s'est bien repositionné en plus, hein, il est en train de se faire enfermer, hein, Moj, il faut recharger tout de même. Ça devient de plus en plus délicat, surtout que Demon One est déjà dans le dos, il devrait se servir qu'ils sont trop de problèmes. Non, ce sera Ethan qui ira chercher le quadruplé. Ethan sur ses fins de round, c'est toujours. Il a fait des grosses retakes sur Pearl, toujours le petit facteur clutch. Le joueur le plus expérimenté ce roster. Hein. Ils s'en sont quand même bien sortis, ouais. Dire, parce qu'ils auraient pu le troll ce point. Je suis d'accord avec toi, BG. Ah, les joueurs sont de flanc, ok. Ouais. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Ça se joue à pas grand chose. Vous voyez quadruplé d'Ethan. Ok, d'accord. Ah, Boustio il veut gagner, il veut rejoindre Derek en playoff. Clairement, ronde d'armée à venir, premier opérateur de sortie pour Demon One. Est-ce qu'on peut resurprendre Moj dessus? Je pense que c'est un grand oui. Fais attention, Moj. Fais attention. Ah, j'ai de patience, hein. Surtout que Demon One il va jamais bouger de sa ligne. Ah, puis il a la TP, il a tout ce qu'il faut. Hein. Après, il va rester sur une ligne un petit peu cassée en plus, comme ça là. Il devrait surprendre encore plus. Oh, les pré-fire hein, semblent bons. Ouais, là, c'est on va voir la ligne. Et Demon One. Hein. Free kill. Qui va plus faire de Viper. Sur foot, ce round d'armée, il commence directement à 4. Et on a, je pense qu'on va vouloir exploser. Hein. Côté foot, on a l'air d'être prêt. Et ouais, l'explosion, la CPL, elle part. Est-ce que la CPL est si. Après, il y a eu un bon repositionnement de Com. Ouais, Kiwi qui prend de l'espace, qui a pour trouver un kill à sa captain également. Mais la roquette de Jogemo ne connectera pas, mais il trouve quand même un kill. Quoi? Jogemo qui tire n'importe où avec sa fantôme qui trouve un kill. Oh, et la grenade, Boustio qui le rejoint. Mais qu'est-ce que vient de mettre Jogemo? C'est le 5ème round pour Edgy. Tu vois, quand tu me parles d'une raise à l'aise mécaniquement, je pense à ça quoi. C'est le bordel complet, la roquette elle est complètement ratée et Phantom dans les mains, Satchel dans l'autre. Regarde, raté de roquette, là ok et là
Non. Là, je veux un arbitre sur scène qui fasse quelque chose. Oh bah ouais. Tu m'étonnes, mon frère, tu peux crier. Quelle folie, 5-0, ça a une allure de Pearl. Ouais, surtout que la foot retourne en écho, encore une fois. Voilà, c'est dur pour les Turcs, ils ont pas du tout le rythme. Ouais, non, on se fait un peu assommer là. Pour l'instant, côté G, il y a tout. Il y a les, la réussite de fin de round, il y a les entries, comme qui. Après, je sens que c'est au niveau du mental, l'IG, ils sont fous furieux là, ils ont tout. Hein. Ouais, ça sort des crocs, il est raté ce caillot de knife et c'est déstructuré. Très déstructuré côté foot. Ouais, surtout que là on renouvelle bien le stuff hein, du côté de la Viper de Com. Et ils sont tous coincés. Ok, la roquette pour essayer de prendre de l'espace, mais Jogemo va se saisir d'un doublé. La Kiwi hein, qui va tout de même gratter un kill, mais voilà, Ethan au niveau du spot, pas de problème. Oh, comme bien positionné, mais le drop de Moj, une balle en main. Il y a un ulti sur Moj. Attends, est-ce que Boostio l'utilise en ultimate? Parce que là, ça peut être. Ok, il n'utilisera pas Boostio l'ultimate, ça aurait pu être un double kill. Ouais, bah c'est. Voilà, hop. On assure le kill sur Moj, on se débarrasse de l'ultimate, Crax se force à l'explo, on sait de quoi il est capable, Sheriff en main, malheureusement ça ne passera pas. Demon One assurera ce dernier duel 6-0 malgré l'utilisation de la roquette et l'ultimate de Moj. J'aimerais bien revoir le doublé de Jogemo sur l'entry là, comment il le fait. Mais ouais, on a utilisé deux ultimates sur de l'écho. Après, j'aime bien, mais malheureusement. Peut-être que l'ulti de Moj en vrai sur le 3v2 il est un peu too much, c'est du son HP et là on va le revoir. Ouais, hein. Ouais, c'est le timing. Meilleur des moments et voilà, le pauvre Moj il était stun et en plus de ça, il prend un gros rayon orbital dans la bouche. 6-0, IG. Par contre, Loki, toujours pas de post tactique côté foot. Non, ouais, je suis d'accord. J'aurais bien voulu l'avoir maintenant, surtout qu'on a trois ultis hyper importants côté foot. Et j'aurais bien voulu une petite pause histoire ouais, de. Regarde Loki, Demon One, hein, bah oui, avec le Chamber il continue, il s'avance, il est attendu tout de même et il va rentrer cette fois-ci dans la ligne de Moj, il aura eu sa vengeance. Ouais. Peut-être que c'est un peu trop. Pas besoin d'en faire autant tous les rounds côté Demon One. On sent hein, qu'il a envie de faire la différence avec son Chamber. Il n'y a pas de sentinelle dans cette composition de foot, donc il y a beaucoup d'espace. Et l'espace, il est en train d'être pris complètement par Jeguemo qui resserre et qui devrait arriver déjà dans le dos de Moj. Oh là là, le massacre. S'il en fait Massacre is coming. Et le premier est fait, et le second de Jogemo, décidément, il est infernal. Et il y va, Boustio, il trouve le kill, vengeance de Kiwi, mais c'est un fou furieux, Boustio. Ouais, c'est un fou furieux, mais en vrai, c'est bien ce qu'il fait. Il vient fight avec son teammate, il vient aider, ils ont le spike, et ouais, regarde, ils peuvent complètement venir déranger. Jogemo, il hésite pas, il y va sur un troisième. Attention, Ethan et Com, peuvent-ils remporter ce clutch face à Attacaptan? Le stun est très très bon, et la réussite d'Attacaptan, un point de vie, un PV. C'est des fous furieux, Luigi, ils s'arrêtent jamais de se battre. Attacaptan, tu l'as dit, un peu de réussite, un point de vie. Mais face à Com, il avait l'air d'être très sûr de lui hein, sur la position. Il avait l'info sur la Viper, amorçage du spike, 1v1 à jouer pour Attacaptan qui a un ultimate, qui a une Molly. J'ai peur qu'il mette les pieds dans un bout de Molly de Com. Le problème c'est que la Com, il est parti pour prendre son temps comme il faut et. Malheureusement, c'est le mauvais pari. Il n'y a personne au niveau de cette longue. Va falloir commencer à activer la seconde vitesse, mon cher Com, si tu veux espérer quelque chose. Surtout qu'il y a du post-plant. Hein, ah ouais, il y a du post-plant. En fait, il fait le pire truc. Il laisse du temps à ta captain qui a tout ce qu'il faut. Et ouais. Il va chercher le spawn, Com. Et justement, il met le poison et retourne dans l'ultimate. 50 petits points de vie. Je crois qu'il a compris que c'était au niveau de ce spawn, mais il va devoir se méfier de l'elbow. Il touche, il n'ose pas désamorcer. Et ce sera un round remporté par Attacaptan, quoi qu'il arrive. Oh, Attacaptan, hein. Avec son petit point de vie, il ira chercher son clutch et le premier round des foot. Gros clutch, Attacaptan, rien à dire. Très mal joué de la part de Com, si vous voulez mon humble avis. Mais bon, ça arrive. C'est un V1. C'est une histoire de point de vue, de jugement. Qui suis-je? Après, c'est dommage hein, qu'on perd ce round côté de G parce que là, Jaguemo, c'est parfait ce qu'il fait. En vrai, peut-être que Boustio va un peu trop loin. Là, mais en soi. Le 2v1, après ouais, Ethan. Jogemo, je te jure. Il est dans un état, il est en train d'aboyer tellement il est en confiance. Il est dans le serve, hein. Il y est vraiment pour le coup, il n'y a pas à chier. 6-1, premier round pour l'Europe, premier round pour la Turquie. Et on va passer par une pause tactique hein, côté foot. Elle est finalement là. Ouais.
Bah, ce round, on est pas censé le on est censé le perdre encore. C'est ça. Ouais, là, c'est censé être en gros 7-0. Avec en plus de ça, on se fait flank avec un joueur Guillemot qui lâche en gros moins 3 avec sa raise. C'est le genre de truc qui te sape bien le moral comme il faut. Qui te donne. Ah, puis on a vu même sur le clutch gagné hein, de Atta Captain, le visage était quand même assez fermé. Ouais, bah on se fait secouer, hein, Je pense qu'on a toujours la petite pearl, la petite amertume, tu sais, de cette fin de pearl là. En même temps, le break a été très très rapide là, hein, pour les joueurs. Très rapide, très rapide. C'est vrai que côté production, ça enchaîne. À LA, on peut pas dire. On a eu aucune galère technique, genre qu'on comprenait pas. C'est dans la lignée des Master Talk. Ouais, vraiment. Là, ça y est, les matchs sont chauds. Ouais, c'est bon. Là, tout le monde est rodé, ça fait plaisir. Allez, on va débloquer un tour de force côté Demon One. Valet pique au niveau de cette Ouka, ça pourrait surprendre. Hein. Même si on a une de Mr. Fallen hein, qui va partir dedans. Elle est détruite. Oh, attention, l'ultimate de Mr. Fallen qui va pas partir finalement. On va envoyer un brawler hein, dans un premier temps et ça va confirmer l'utilisation de l'ultimate derrière. Il va prendre une double information là-dessus. Est-ce que Demon One va pouvoir punir? Il a vu le bout de bras dépasser. On va y aller pour la fade et c'est loupé par Demon One. Attention, attention parce que là on va accélérer. Attention parce que ça va accélérer. Et là, ouais, Ethan qui se fait battre et Jago et moi et Demon One, on connaît leur position désormais, avantage numérique pour foot. On décide d'y aller quand même au niveau de ce B. Après, ils vont vouloir garder la Ouka quoi qu'il arrive. On sait qu'ils sont là, mais ils vont garder la position, ils vont être dangereux quoi qu'il arrive. En attendant, en tout cas, les coéquipiers, on essaye d'aller les chercher hein, au niveau du site. Et c'est justement Krax qui s'en chargera sur Jogemo. Ouais, moche, une très importante coupe sur Bucio et. Le round est dans la poche pour foot. 5v2, il n'y a pas grand chose à faire. Mais on sait que Demon One est là, ouais, normalement. Il n'y aura pas d'effet de surprise. On va se douter du positionnement du joueur au niveau, au niveau du spawn. Et comme devrait pouvoir s'en sortir, en tout cas pour l'instant. Ce ne sera pas le cas pour Demon One, forcément. Un petit jeu de timing qui sourit à Moj. En forme, hein, Moj, depuis le début de cette Champions. Ils ont des très belles choses individuellement parlant. Second point validé pour foot, ça fait plaisir pour l'Europe. Je souffle un peu. Ah, ils peuvent. Remercier Demon One hein, qui loupe son coup de sniper là sur la Ouka. Comment il est inratable le shot. Bon, t'es dur. Tour de force. Il se prend un brawler, il se prend la 6 derrière. Non, mais il a rien à casser, ouais, il a son teammate qui lui casse tout. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Pas d'accord. C'est un shot facile. C'est un shot facile. C'est les plus simples qui sont les plus durs. Eh oui. Allez. D'armes à venir, on va pouvoir s'offrir toujours en opérateur hein, sur Demon One, Jagemo qui a sa roquette également disponible. On va revoir ce qu'il a important. Ouais. C'est l'ouverture, hein. Là ça déverrouille tout le site. Hein. On comptait sur Ethan pour les ralentir un peu ou en tout cas prendre un open kill. Ça n'était pas le cas, il n'a pas réussi. C'est vrai que c'est individuellement aussi pour l'instant très très gros en termes de champions. Contrôle dirigé encore autour du B. Hein. Okay, avec Ethan qui prend la flash. Prise de la Ouka en cours. On est prêt à réceptionner. Sur d'agression au niveau de la longue éventuellement hein, sur les coups d'épaule d'Ethan avec le sniper de Demon One. Et on ralentit le rythme. Le captain qui a se moqué de cette longue baie. Assez surpris. Et finalement ce sera un retour en une pression ouais. Assez minime avec un brawler au niveau de la Ouka. Ouais. C'est franchement light hein, comme pressure et Ethan qui reprend son information avec le dog. On doit comprendre je pense là côté IG qu'il n'y a plus grand chose au niveau de ce B. C'est bel et bien en hack, ça exécute mais Boussio, grosse erreur de la part du capitaine et leader in game David Genus qui se donne complètement. Et là comme forcé à laisser l'espace. Il a peut-être pas aussi de la roquette de Jogemo hein, qui est encore. C'est Jogemo, il est forcément en défense. Attaque Captain hein, qui veut jouer, qui va chercher la lampe. Ah ouais, on n'a pas vidé la lampe, on n'a pas l'information. Ouais, y a rien sur site. Et on le comprend, c'est une full retake. Allez là, la roquette de Jogemo pour reprendre justement. Est-ce qu'on va pouvoir réceptionner Attaque Captain? Il voit qu'il y a personne dans les premiers contacts. Le bon décal au bon timing d'Attaque Captain et Jogemo, sa roquette ne servira à rien. Kiwi, solide sur comme sur la hauteur. Il ne reste plus que deux joueurs pour essayer de retourner ce round. Demon One repéré sur la hauteur. Kiwi va complètement le défoncer. Et Ethan bah, pourra aller sauvegarder son arme. Nice shot de la part des foot. Petit changement de momentum dans cette rencontre. Les Turcs de foot qui récupèrent et reprennent du poil de la bête un petit peu là depuis 3 rounds. Ouais, on gagne ses premiers duels. On arrive à. Une post-tac, je pense, là, côté IG. Ethan qui va essayer de sauvegarder sa mandale. Ce sera le cas. Pas de souci. Ouais, cette post-tac côté IG ne ferait pas de mal là. Je crois que c'est le cas. Je vois le timer qui s'est freeze en haut. Ouais. Tu es dans le cerveau de Potter, mon cher héros.
Attends, 6-0, 3 rounds de suite. Tu l'as dit, hein, changement ouais. De momentum. Ouais. On veut tout de suite remédier à ça. Et je suis à faire de la part de QI. Qu'est-ce qu'on peut identifier pour l'instant côté IG? En vrai, il y a le premier round, il était gagné, c'est un peu du troll. Le passage en B, en vrai, le col est bon, on arrive à bien isoler les joueurs au niveau de la Oka, petit raté d'Iman One. Et là, ce dernier round, bah, c'est encore une erreur, c'est Boussio. Hein. Boussio, il a rien à. Il a absolument pas à venir décaler comme ça et à perdre ce premier contact. On peut pas profiter des mollies, on peut pas gagner du temps avec Com avec ce setup double contrôleur. Et c'est ce qui offre la voie du round à foot, 6 à 3. Rien n'est fait encore. On se. C'est un peu à l'image de Pearl, hein, finalement, une domination DG et Foot va grappiller des rounds et au changement de side, la remontée. Donc à voir. Pas simple hein, pour une jeune équipe d'avoir le mental de revenir dans des games comme ça. Quand même que des joueurs qui ont aucune expérience à après, l'international, à part depuis cette année, bien évidemment. Aloki, tu n'as pas le choix. C'est les Champions. Tu dois être t'as présent. Pas le choix. Tu dois pouvoir être t'as solide mentalement. Bah, dis ça à NRG. Ils n'ont joué qu'un match. Ah, ils n'ont joué qu'un match, c'est sûr. Mais il est assez flippant en termes de résultats et en termes de niveau de jeu qui était proposé par les Ricains revenant non mouton. C'est clair que c'était le premier, premier upset. Bref. Ouais, premier gros upset en effet par les chinois de Billy Gaming. Allez, tu l'as dit, on est reparti. On n'est pas bien économiquement côté IG. On a acheté ce qu'on pouvait, ce sera un vrai achat au round suivant. Tous les runes, Ethan et Demon, ils se font prendre par ce Coyote Knife qui arrive un peu hors timing de Krax. Je sais pas si c'est volontaire, faudrait peut-être arriver à le dodge de temps en temps. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, pour l'instant, foot. Hein. Ouais. Contrôle map, encore une fois. Très lent, très très lent. On a mis un peu d'activité au niveau de la longue prowler en main avec Mr. Fallin, mais on a complètement freeze le jeu pour l'instant. On attend une réaction, on attend une éventuelle erreur. C'est une bagne qu'on connaît, quoi. Un jeu très lent. Ouais. Oh, Jogemo qui va mettre son coup d'épaule, c'est pas vu par Kiwi. Je sais pas si Jogemo a repéré son adversaire. Justement, ouais, il envoie une grenade, il l'a peut-être vu. Et Jogemo, au final, il s'en sort pas super bien, quoi. Il a pris cher. Super cher. Il a perdu la moitié de ses points de vie. Et ça a déclenché les trackers d'état, tout de même, pour reprendre de l'information. Ouais, la bon kill de moche sur Jogemo qui, une fois de plus, assure ce kill de coupe et. On va décider de repartir sur ce A. Ça va être un fake hein, au niveau du B. Et ça marche, il marche complètement ce fake, on fait tourner le brimstone, on a focus Ethan et c'est un Com qui se retrouve bien seul. Ça fait deux fois hein. Ah, ça fait deux fois que Mojan il trouve la solution. Non. Oh, attention le poussement de Com et pas Jerry, il va en faire un, est-ce qu'il peut en faire plus? Oui. Le deuxième il est fait, il s'en sort pour l'instant, il est encore au niveau de la chouette, est-ce qu'il peut le punir? Oui, finalement c'est fait, Kiwi qui s'en sort, il envoie sa roquette et il va éliminer Ethan, vengé par Demon One et c'est Mr. Fallin qui obtiendra le dernier MO. L'échange de kills là à la fin. On parle de la pause avec la bulle de Viper là. Oh mon dieu. Waouh, elle était sexy celle-ci. Elle était sexy cette position de Com. Profite de sa bulle pour être camouflé et le moins 2. En vrai s'il arrive à se replacer dans les showers et non pas contact au shower, gagner un peu de temps, il y avait clairement moins de moyenne là Kiwi hein, qui vient débloquer son ultimate. Utilisation de la roquette parfaite ici malgré le gros one de Demon One. Kiwi fait un très bon tournoi individuellement aussi ouais. Jusqu'à maintenant. Ouais, en tant que rookie, arriver sur la scène internationale et montrer autant de sérénité et d'aisance individuelle, c'est pas une mince affaire, clairement. Je te rejoins. Car foot, hein. 4. Ouais, foot en 4 rounds à la suite. Ouais. Alors, encore une fois, on va mettre de la pression, on va prendre de l'information au niveau de cette cas avec le crawler de Mr. Fallin. Ce sera géré directement par Com et on a lâché une smoke tout de même du côté de Boussio. Attention, hein. Je sais pas si c'est pas la première fois que je vois Demon One sur le tank, ça pourrait surprendre. Ouais, ça peut clairement surprendre cette position à l'OP, même si une fois de plus le wall de Mojang qui gêne encore et encore. Pour l'instant de cartes à circuler, on a l'air de vouloir se rediriger au niveau de ce B pour foot. Probablement on split. Hein, on va laisser encore une fois la coupe à Moj, éventuellement point d'appui sur un retour parce qu'on le rappelle, Moj il a trouvé quand même deux open kills sur les deux dernières rounds et c'est grâce à lui qu'on redirige. Ouais, bonne reprise d'info d'Ethan au niveau de cette longue. C'est qu'il y a du monde désormais et on va même pouvoir s'offrir un petit anti-rush là avec la Raze Nade.
Ouais, il y a quand même pas mal de défenseurs sur site B, ça pourrait être délicat pour Foutin. Ils veulent y aller. Oh, ils ont isolé un joueur, hein. Ils ont isolé Com, mais la Molotov, est-ce qu'elle va connecter? Oh oui, ça touche Com qui va devoir décaler. Surtout, oh, j'ai appris une ouverture. Encore une fois, un moche décidément. Et le sniper, le Demon One qui frabouche une nouvelle fois. Il prend l'ultimate quand même, il va devoir être désonné. Il va pouvoir tenter un nouveau shot, ça passe à côté sur Attakatan. Ah, il coûte cher, il coûte très très cher se rater. Jagemo se rate encore. Attakatan signe le moins 2 qu'il fallait signer. Et là, le round, il est cuit. 6ème point. Remporté par Foot, t'en parlais de la Coupe de Moj, de la potentielle redirection héroïque, tu l'avais très bien pressenti. Ça fait trois fois de suite. Hein. Ouais. Je sens qu'on a pas assez fait son boulot d'analyse côté IG. Là, on est clairement à voir pour les rotations. Là, c'était le kill important sur Demon One. Et là, ensuite sur Jagemo, les deux hommes forts qui sont balayés hein, par Mr. Hotocopter. Allez, dernière round de side et finalement on pourrait avoir 6-0 pour Edgy et 6-0 pour Foot derrière. En tout cas, 6 rounds à la suite. Oh, attention, les coups d'épaule d'Ethan, il pourrait se faire punir là. Quand même une double ligne, triple ligne bientôt. Ouais, ouais, pas de flash. Ce couteau. Attention, Ethan là qui est bien seul et qui arrive à prendre un kill. Ok. Ok, on a pas. C'est quand même dommage. On n'a pas la même spec. La Foot, c'est un peu un craquage hein, cette prise de zone. Risqué décale tout seul, enchaîné de brim avec l'initiateur derrière qui sert à rien. Mr. Fallin qui prend un bon kill de Riven sur l'ennemi Demon One. 4v3 à négocier désormais pour les Américains. On s'entend côté Foot, mais bien l'impression qu'on va y aller. La flash de Kayo est bonne, on est arrivé à la dodge. Attention, Ethan, est-ce qu'il peut en faire plus avec sa spectre? Il y a un joueur en contact, il met l'OHP. Boostio a gratté un kill avec son ultimate, mais il s'est repositionné. Il va avoir un second kill finalement. Trade par Mr. Fallin qui fait un énorme travail sur ce round, le triplé. Il est condamné à aller chercher l'ace, ou alors ce sera un round pour ses adversaires. Le quatrième, il est là, il a repéré. Il sait où il se trouve, comme. Ouais, il a pas d'arme, comme. Il a un judge en main. Il a entendu, il va pas recharger. Spike planted. Ouais, comme qui fait tout le tour. Avec son judge, Mr. Fallin, l'ace. Toxin screen down. Écoute, Mr. Fallin, pour l'instant, il focus sur la longue, mais il devrait s'en douter. Hein, à partir d'un moment, très prochainement. Il a pas l'air de s'en douter, Lolo. Bah, là, il va commencer, je pense, à se dire, en gros, il reste plus que ça comme possibilité. Ouais, voilà, tu vois. Voilà, exactement. C'est genre. T'avais raison. Et ouais, ace de Mr. Fallin, round jeté à la poubelle par IG. Ça arrive. From 6-0 to 6-6, c'est la bonne opération pour les Turcs. Dans cette seconde carte, leur choix de carte, Bind. Ils avaient un peu troll hein, le début de round hein, face, ouais. Face à la Sky. On va le revoir hein, justement. Ah non, on va revoir la kill de Mr. Fallin qui va chercher son ace. Heureusement qu'il était là sur ce point. Mais là, le 2v1, il est magnifiquement jeté à la poubelle. Et bien le mental des Turcs, hein. Ils se prennent 6-0. Ça ne ouais. empêche pas de mettre 6 rounds à la suite. Ouais, Potter, on le sent là. Un petit peu de frustration côté coach D.I.D. Cette équipe qui, après la grosse performance au Master de Tokyo, le top 2, franchement, je crois que sur ce BO, montre des faiblesses. Ouais, ouais. Bah, on avait déjà vu des faiblesses hein, sur le premier match aussi. Hein. Ouais. Ouais, mais bon, tu t'es dit, bon, c'est un match d'opening, ils étaient pas à fond. Là, c'est un match de qualification play-off. La Pearl, franchement. Ok, les side, le side des défenses c'est bon, mais c'est beaucoup de retake. Après, faut le pas side oublier. D'attaque est catastrophique. Faut pas oublier qu'aussi au Masters, ils ont eu un peu, même si on les voyait en bonne forme suite à leur bonne fin de saison, ils y sont arrivés un peu en mode surprise. Personne ne s'attendait à les voir faire top 2. Là, pour les Champions, bon bah ils sont arrivés clairement avec un statut, en tout cas, peut-être pas de grands favoris, mais de très très bonnes équipes à abattre. Donc il y avait un peu moins d'effet de surprise hein, pour leurs adversaires. Et ça sent... ça sent encore une game avec un overtime et potentiellement une decider à 7. Ça sent fort, ouais. Ça sent bon. La troisième carte pour l'instant. Ou alors ce serait une nouvelle fois pour Foot, hein. Tout ça pour ça. Ouais. Il y a encore un espoir hein, ensuite de passer. Mr. Fallin, qui a l'air toujours très souriant. Ça a l'air d'être le good guy. Il vient de mettre un ace. Il peut être content. Il peut être content. Passe pas une bonne, par un bon premier side en tout cas. Ouais. T'es en difficulté pendant pas mal de temps. Très fade hein. Tu vois, peut-être qu'une petite Sky fitterait encore mieux. En tout cas, ça rigole moins hein, côté IG.
Bah en vrai, je pense depuis le 7ème round, la perte de vitesse est réelle. En fait, depuis le round où ils ont complètement jeté là, le push dans le dos, avec le montreur de Jogemo, c'est vrai que depuis, on a un peu du mal à s'exprimer. Après, on voit que Boustio a pas perdu d'énergie. Hein. Il a l'air très vocal avec son équipe. Ouais, toujours très vocal. En tout cas, changement de side pour les deux équipes. Égalisation parfaite de Foot. Passons en attaque pour EG et en défense pour Foot. Ok, Dionon qui va essayer de chercher des contacts au niveau de cette shorta. Accompagné par Com. Prise de la Woka, potentiel à venir pour Jogemo et Ethan. On a l'air de jouer lent, on prend son temps. On attend de voir un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe. Prise d'information de Mr. Fanny face à Boustio. On sait où est cette fade. Jogemo, pas passé dans celle-ci. On a la Woka également. Ah, mais justement, voilà, le updraft du wall directement du côté de Moj. Suite à la. À l'offensive hein, au niveau de cette Woka, et ce sera une redirection en DJ au niveau de ce site A. Et on semble avoir compris hein, du côté de Foot, hein, puisqu'on voit Krax rejoindre ses coéquipiers. Les premiers contacts sont trouvés, hein, notamment du côté de Kiwi là qui spam dans les smokes. Ça y est, la prise d'espace est en train d'être faite. Bon dommage, hein. Bon dommage trouvé par Kiwi. Ethan qui a un heal de disponible, est-ce qu'il va pouvoir remettre à niveau un petit peu tout le monde là? Ça serait la bonne opération. Allez, on se baigne dans les smokes là pour les joueurs américains. Allez, le dogo pour. Pour jouer la reprise, attention il va être dangereux hein, Jogemo au niveau de ce bench, il va falloir penser à le gérer et il entend les joueurs. Hein. Là la double ligne bien jouée de la part de Moj qui va trouver directement l'open kill 4v5. 4v5, est-ce que Com peut se faire oublier au niveau de cette shower? On va aller le check, la flash est très très bonne d'Ethan, mais malheureusement ça ne passera pas. On a l'information sur Demon One qui arrive tout de même à TP back et la diffuse est validée, triplé de Moj en forme. Et bien quel retake. Quel retake, quel retake. Ah, puis ils ont compris juste à temps hein, ce qui se passait. Et on va donner des amorçages à Kiwi. 7ème round à la suite pour Foot. Qui est face à des Foot qui ont joué très safe ce pistol round. Hein. On était fort solide sur le B en cas d'exécution. Et si ça venait en A, tout simplement, on assumait la retake. Hein. On voit, on spammait vraiment depuis la hauteur avec un shérif du côté de Kiwi. On était attendu pour jouer la retake. Voilà, c'est des doubles lignes à chaque fois qui ont été jouées. Sauf ce kill là de Moj au niveau de la shower qui était très important face à Com. Ouais, c'est très bien passé hein, finalement. Pas naïf Moj. Très gros tournoi de sa part pour l'instant. Un bonus et force buy pour EG. Ouais, Jogemo hein, tout de suite à l'offensive, directement dans les lampes. Et c'est un open kill hein, de Moj directement qui avait investi sur une fantôme. Ouais, Jogemo mis en difficulté, il force son duel sur une flash. Ah, Jogemo à la Stinger qui met le doublé. Mon dieu. On a la même passion mais on n'a pas la même Stinger du tout, du tout, du tout. Moj qui se prend un gros casque là par Com. Et qui arrive quand même à se débarrasser des tas. Peut-il enchaîner? Moj c'est l'homme fort balayé par Com. Et sport base il est en train de pailler Kiwi. Kiwi pour l'exploit, le 1v3, il est vu par Demon One et balayé. Steko et Sports Buy, il passe pour EG sur un. Une Stinger Diff quoi. Ouais, une Stinger Diff, franchement, elle dégoûte. Qu'on se le dise. Le double headshot, hein. Je crois qu'il va chercher double headshot. Comment. Et surtout sur un coup de souris, hein. On va le revoir. Ah, il y a une bonne flash aussi. Hein. Ouais, ouais, la flash. Très, très la flash, fait la différence. Alors que Moj, hein, encore une fois, hein, l'open kill, il tient au niveau du backside, il va en chercher deux. Ah ouais, on voit de la frustration là sur ce genre de rune. Ouais, un peu unlucky. C'est dommage. Un peu unlucky. On va devoir passer par une écho pour Foot. On peut pas dire que le round est vraiment perdu. On était chercher un orb hein, du côté de l'attaque capitale. On va attaquer là sur Com et. Attention, on pourrait le déborder. Il est revenge finalement par Kiwi. Il assurera quand même en doublé. Boustio. Directement qui vient punir hein, la Viper et ouais, Dimono. Ouais, ok, bon, autoritaire, ok, pas de danger. On a tenté quand même des trucs ensemble hein, côté Foot. On a récupéré un orb sur attaque Captain. On a tenté une petite agression du mid à 3. Why not? Why not? C'est maintenant pour Foot là qu'il faut continuer sur l'excellent momentum des derniers rounds. Après avoir été mené 6-0, ils arrivent clairement à accrocher au score. Qu'est-ce qu'on décide de faire côté On n'a qu'un seul initiateur, voir un petit peu où va évoluer Demon One. Probablement. Il y a énormément de ping hein, quand même sur la longue baie là. Ah, ok, c'est Jogemo qui va se propulser hein, sur sa chaîne directement.
empêcher la prise d'orbe et ça fonctionne parfaitement sur Attack After. Parfait. C'est parfait. Voilà, ouais, c'était nickel. Tachelin, le repère est nickel. On prend l'avantage numérique, on se débarrasse du contrôleur Brimstone et on peut s'offrir un 5v4. Est-ce qu'on décide de directement se restack en aéro et d'exécute? Ça m'a l'air d'être le call. Oh, attention tout de même, hein, au positionnement de Kiwi hein, qui pourrait surprendre. Ah, bah c'est le même setup Kiwi. Il joue le même setup avec la bubule. Il le cache. Avec la bubule de Moj. Alors, est-ce qu'il va pouvoir faire un doublé comme un peu plus tôt? Ah, là le Boombot il va taper un petit coup de. Ouais, ouais, là, dommage. On sait qu'il est dans le coin, surtout que ça déclenche la roquette de Jogemo qui va chercher. Ok, ce sera du 1 pour 1. Ouais, il aurait peut-être pu passer la shell et assurer le kill sans se donner. En tout cas, l'amorçage de Spike est validé pour IG Hero. 4v3 à l'avantage des Américains. Il est pas facile, hein. Ce round pour foot, il est vraiment pas facile. Ouais, il est ultra délicat, hein, surtout qu'on connaît le positionnement des trois joueurs et on a des positions fortes. Oh, le fragment, est-ce que c'était pour le bench? Et ça tire du côté de Boostio, hein, sur le site sans aucun problème. On a repéré les deux derniers joueurs. On y va sur Poplash, ça marche pour Crax et Mr. Fallin. 2v2 maintenant. Mais attention, Mr. Fallin est déjà low HP. Le mur va aider tout de même les joueurs foot. Est-ce qu'on a une flash? Il y a une flash. Pour Cross? Il y a une flash. Ethan qui repasse de l'autre côté. Ça passe à pas grand chose de timing, malheureusement. On ne pourra pas s'imposer, il y a toujours une phase disponible sur Ethan et attention, elle connecte. Mr. Fallin, le clutch. Bah, dommage, il n'est pas dans les temps. Il ne sera pas dans les temps, malgré tous les kills faits par les joueurs turcs. Le round ira pour IG. Ouais, c'est un round bonus pour IG, donc en vrai, on n'en a pas grand chose à faire de perdre les armes. Jogemo là, très inspiré. Bah après, hein, on a identifié hein, dans le jeu de foot qu'ils allaient chercher régulièrement l'orbe au niveau de cette langue. C'est un peu le cas d'énormément d'équipes. Ils ont... des Brimstone, tu vois. Ouais, et ils ont en tout cas un setup pour aller chercher, en tout cas empêcher ça. Ouais, ça a parfaitement fonctionné. Parfaitement fonctionné, je te rejoins. IG qui va avoir un gros cycle d'ultimate qui arrive. Hein. Ethan, Demon, Boostio, comme... Sur le décal à plusieurs là au niveau de la shower directement géré par Demon One. Oh, Demon One le monstre qui va en chercher deux. Et allez, hein, est-ce que Kiwi va se donner? Et oui, hein, Demon One qui s'applique. Oh, il aime trop faire ça. Il aime trop faire ça. Triplé, magnifique one tap de sa part. Joueur star, le jeune talent de cette équipe de foot qui fait parler la porte sur ce round d'écho. Le 10 à 7 tend les bras. Ah, il a fait couler de l'encre aussi sur Twitter hein, pour ce qu'il vient de faire justement. ça va écrire encore un peu plus. Il faut qu'il fasse gaffe à ce genre de petites choses parce que c'est des petits détails, mais ça montre pas forcément une super mentalité. Voilà. En tout cas, ça veut rien dire. Il continue son mouvement, il va se faire punir par Attack Captain finalement. Et ouais, pendant ce temps-là, ses coéquipiers ont pris tout l'espace sur le site B. On va même optimiser et donner l'amorçage de Spike à Jogemo. Orbe à Boostio. Amorçage à Boostio également. Okay, très bien. Bon, ils prennent leur temps, ils savent qu'ils ont largement le temps. On va peut-être donner à Ethan plutôt pour assurer un tracker au début de round. Mais ouais. 10 à 7 héros. Il dit qu'il continue sa petite balade vers les playoffs. 3 rounds restants à mettre. Ils vont le tenter. Ils vont le tenter. Je n'y crois pas du tout. Voilà, ulti Brimstone en face, je te le dis, je n'y crois pas une seule seconde. Ouais, c'est peut-être pas très lucide là de vouloir le tenter. Ok, tout de même, Crax ira trouver le kill sur Jogemo directement. Ouais, ok, la Molotov qui intervient, on peut se repositionner. Et là, je crois que Loki ça condamne l'issue de ce round. Malgré qu'Attacaptan trouve une élimination sur Ethan, on veut aller chercher le Brimstone, mais c'est déjà trop tard. Voilà, l'ultimate intervient et quand l'ultimate ne sera plus, on ne pourra plus désamorcer, il n'y aura plus le temps, on va quand même chercher les éliminations. Crax sur Boostio, la vengeance de Com fera tomber 3 armes. On se fait peur, on se fait un peu trop peur côté IG, mais c'est pas grave, le round est validé. On aura cramé l'ulti Boostio mais débloqué celui d'Ethan et on va revoir un Demon One. One tap, one tap. Pouah. Tout tap, tout tap. Et là. Petit coca. Solide Demon One. Alors, qu'est-ce qu'on propose côté IG? Excusez-moi des bafouements. Il est 3h40. Le début de la nuit pour toi, Loki. C'est mon prime là. Ouais,
attention, il y a des trackers qui ont été envoyés seconde une hein, de la part d'Ethan et j'ai l'impression qu'on veut changer le rythme. On veut aller vite, j'ai l'impression sur ce B. Robust, c'est parti. Jagemo, Sachaline, bap, hop, oh mais non. Oh, ça recommence. Et Boustio qui arrive en plus de ça à prendre un kill avec sa nade. Oh là 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 là. Oh, ça recommence. Non mais Jagemo, mais. Oh, les salades de Jagemo. C'est pas possible, mais c'est indécent. On va chercher le heal en plus de ça et là j'ai Game Boy, regarde comment ils se font plaisir ce kiffer. Bah allez, oh, putain, ça t'apprendra. J'espère qu'ils vont faire le round juste pour ça. S'il vous plaît, moche crack, s'il vous plaît, ouais, mettez le round. Je vais pas te mentir, Loki, mais ça me semble trop, moi non plus, mais bon, t'as capté. Jamais. Who knows. Ouais, elle est préfire au niveau de la hauteur, on a compris qu'il y avait un joueur, crax, il va prendre le kill sur Ethan, crax décidément, il est très affûté individuellement, mais là on va rentrer dans la ligne de Mauge. Attention, le sniper qui dépasse, il reste comme, on touche le spike une première fois, comme qui s'est repositionné, ce qui va pouvoir surprendre le premier kill, il est gratuit, il a repéré son joueur, la moitié a été prise, les préfire sont bons, mais ça se joue à pas grand chose, on retouche le spike une nouvelle fois, et le préfire de com, pour aller chercher le rune, oh, c'est passe pas loin. Super bien joué, je suis assez étonné que côté foot, on est gardé à 2 la ligne Ouka, alors que bah... Le mec se montrait pas, ça sentait quand même la possibilité de soit des repères, soit d'une route desquelles depuis la longue. On était un petit peu naïf, on a mis du temps à comprendre et là on revoit à l'explosion. Hein. Yop là. DJ Jagemo qui a eu une réussite. Non mais. Wow. Là. Là le com de, le clutch de com il est parfaitement géré, hein. Y a rien à dire. Le 1v2 est monstrueux, c'était un 2v4 qui a failli être retourné. J'ai l'impression que côté DJ on a envie de se. Poser des bâtons dans les roues un petit coup. On veut se faire peur. On veut se faire peur, on a envie de se faire kiffer, on se dit bon, on est devant le public à la maison, est-ce qu'on n'irait pas en troisième quart? Ouais, je crois que même si t'es devant le public à la maison, t'as pas envie de prendre ce risque. Et en tout cas, ils sont à deux rounds de rejoindre DRX en playoff. Dernier poste tactique qui a été call par les Turcs de foot. Et ouais, ce serait la deuxième équipe à rejoindre les playoffs. On aura du coup... demain, en match de passage en playoff, un Fnatic Billy Gaming. Étonnant. Étonnant, on s'y attendait pas. Est-ce que Billy Billy pourrait surprendre la meilleure équipe du monde? Je n'y songe point, mon cher héros. Moi, mais... je n'en sais rien. Mais bon, après, après la performance face à NRG, peut-être que... Il y a moyen de moyenner. Allez, 11 à 7, 2 rounds à aller chercher pour IG pour assurer un spot en quart et des foot qui continuent à se battre. On passe en difficulté, j'ai l'impression qu'on va encore changer le rythme cette fois-ci au niveau du A. Judge Sachaline, la Viper elle va se prendre un truc qu'elle a pas envie. Hop là. Salut, ça va? Super et toi? Ouais. Bah tu l'avais prédit, mais crack ça la vengeance, hein. C'est bien pour un. Ouais, un point, mais l'objectif c'était de se débarrasser de cette Viper et l'avantage pas, il son ultimate et pardon. Ouais, Demon One qui va être spot. Situation de 4v4, on va rester à 2. Hein. Au niveau. On a utilisé les smokes du Brimstone. On n'a plus qu'une de disponible du coup sur Boustio et pas de rotate hein, côté IG, enfin côté foot, pardon. On a envie de rester sur setup en 2-2, c'est vrai, il y a une roquette, notamment sur Kiwi. Allez, hein, ça y est, Com qui a pu passer, qui va utiliser son ultimate, qui va pouvoir en tout cas gêner la rivalité qui était foot. Les smokes ont été déposés, mais on n'ose pas s'avancer hein, pour l'instant côté IG, on prend son temps. Ah là, Ethan il va tick, il va prendre ulti raise, il va kiffer, il va être content. Allez, hein, la grenade envoyée, et ouais, hein, IG justement, on veut faire claquer les stuff et la roquette, j'ai l'impression. C'est complètement voulu de la part d'IG. 4v4. Ah, il est dur ce round. Il est dur ce round, faut prendre le TP, il faut s'en aller loin. Faut s'en aller loin, loin, loin. Boustio qui est battu par Crack, c'est Tata Captain enchaîne. Ouais, ça y est, le TP il est là, mais on a perdu deux joueurs dans l'équation, donc on va avoir l'occasion d'amorcer le spike. Mais on devra gérer un 2 contre 4. Ouais, 2v4. Avec l'ulti de com là en B, j'aurais dit allez, peut-être, pourquoi pas. Là j'ai du mal à y croire. À moins d'un exploit, hein, d'état, mais. De com, ils ont le. Ils prennent une double ligne hein, pour ouais. Le spawn, ça peut être intéressant. Ils ont le talent pour, il n'y a plus trop de stuff. Il y a une flash qui vient d'être débloquée sur Ethan. Flash qui pourrait éventuellement permettre à com de piquer. Elle me fait peur cette double ligne. Oh, attention, Mr. Pauline qui arrive. Oh, il sera réceptionné par com. Vengeance de la part de Krax. Il y a com hein, au contact qui va trouver un premier kill. Mais vengeance instantanée de la part d'Attacaptan. C'est remporté pour les Turcs, on s'accroche. Mais du l'OHP, hein, quand même. Côté foot, il y avait beaucoup de l'OHP. Ça se joue à pas grand chose ce round, une fois de plus. C'est close. Cette rencontre qu'on avait
hier soir prétendu et estimé tendu, chaude et serré, nous pour l'instant régale. Hein. Ah, ils n'ont pas été récompensés sur ce qu'ils voulaient faire, IG1. On a envoyé l'ultimate de com, on a fait avec un amorçage. On aurait aimé justement que, ouais, que les joueurs turcs utilisent bah, leurs ultimates, hein, notamment celui de la fade. Ok, ça a été fait. La roquette, mais ça n'a pas fonctionné. On a été lucide et patient pour foot. Ouais, je suis d'accord. Toujours beaucoup d'ultimates disponibles côté foot. Et notamment le Trace en règle qui va être... toujours disponible avec Star Rocket pour gêner l'amorçage de Spike. Allez, un shot logo. On va prendre de l'espace au niveau de cette longue. Kiwi, il a tourné. Il est là avec son avec Star Rocket. Il est prêt à contrer le rush en B. Ouais, l'exécution va pas tarder à partir. Ça y est, hein, la flash, la grenade, on y va. Kiwi qui n'utilise pas sa roquette, mais c'est Boustio qui trouve directement l'open kill. Vengeance de la part de Kiwi qui déclenche la roquette. Oh, les joueurs sont alignés. Il y a eu un TP, hein, je crois. Mais en tout cas, c'est du 2 pour 1 et même Kiwi va aller chercher un kill supplémentaire avec sa grenade. Ouais, parfaitement positionné, Kiwi, et avec sa raise qui fait un taf de monstre. Rien à dire pour l'instant. Le dueliste des foot qui est au bon endroit au bon moment pour anti-rush. Demon One contraint à l'exploit, à l'impossible. 1v4, pas spike, position spot et ouais. Voilà, c'est couché par Mr. Pauline, 11 à 9, tout s'accroche encore et encore. On est par un Kiwi très très efficace. Ouais, les réactions sont bonnes, hein. Il joue le premier kill, la roquette, la grenade. On va le revoir, premier kill ici. Enchaînement avec l'ultimate, Unlucky qui passe pas les deux, c'est Chamber. Et là la nade, de toute façon, il n'y avait pas grand chose à faire pour Jogemo. 11-9, deux petits rounds pour aller égaliser côté foot. Et est-ce qu'on doit passer par une écho? Oui! Côté IG, on doit passer par une écho. Alors on le sait, hein, c'est une des équipes les plus dangereuses en écho. Surtout du fait qu'ils aiment bien forcer, hein, l'utilisation d'ultimate sur ces phases d'écho. Ok, utilisation du boombot sur la longue. Assez prématuré de Kiwi. Ouais, Doko envoyé, tu l'as dit. Ça fixe Mr. Fally. On vient fixer Mr. Fally. Nathan qui vient prendre le TP. Et on va exploser en A. Directement, première intention. On voit, hein, c'est assumé pour foot, hein, c'est un setup de retake là, hein, au niveau de ce A. La roquette envoyée pour Jogemo, ça envoie l'ultimate de Krax, hein, il n'y aura pas de roquette en tout cas sur ce round pour Jogemo. On va pouvoir se troyer l'amorçage de Spike tout de même. C'est bien fait envoyer la roquette, heureusement que Krax avait ce contre-ulti. Attention à Jogemo qui décale large et qui n'arrivera pas à assurer de kill. Moche qui... Ouais, ils sont gênés, hein. Là les joueurs IG, ils sont ultra gênés par le smoke. Ça va jouer post-plant. On a tout ce qu'il faut, hein, regarde. Ulti de Boustio, on va avoir la nade ensuite. Et double snake bite de com. Très bonne flash d'Ethan, il n'arrivera pas à prendre de kill. La nade, elle arrive tard. Elle arrive tard, mais elle prend le kill. La moitié n'a pas été faite. On a encore deux snake bites. On va arriver à gratter le temps. On va arriver à la chercher. Cet écho côté Vitchez ici. Demon One qui vient punir Boustio doublé. Là, là, les nanites qui sont présents. Boustio triplé, s'il vous plaît. Encore un round sauvé par le capitaine DJ sur un call en écho. Parfaite utilisation des ultimates. Il craque. Sky. Raze et Brimstone sur une écho. Oui, ça peut paraître être beaucoup, mais ça permet de s'assurer une balle de match. Ah, tu sens que là, le round il était travaillé. Hein. Si l'amorçage de Spike était validé, c'était gagné, c'était GG après. Et ouais, Boustio là. Ouais. Pas comme ça. Mashing the Death côté coach de foot, on peut comprendre. Balle de match. Kiwi qui sort en opérateur. Et utilisation également d'ultimate de Moche dans cet Ouka. Judge en main. That works. Allez, un contrôle map pour IG pour l'instant. Ce seront trois occasions d'aller chercher la victoire. Bon, on sait qu'il y a une Viper en B. C'est assez relou. Mais... on se doute que c'est la position la plus faible. Est-ce qu'on déciderait pas du coup d'aller lui titiller un petit peu? J'ai l'impression que avec un Jack Gemo qui éventuellement satchel in passe au-dessus de l'ulti de Viper. Je pense qu'on va mettre une pression à là avec Doc Detan. Ouais, voilà, c'est chose faite. Doc Detan envoyé, on veut venir clear la lampe et faire douter Demon One qui prend un kill ô combien important sur Kiwi.
Parce que regarde, Mr. Fallin, il a envie de rotate et ouais. Après attention, hein, c'est pas encore fait, c'est pas encore fait. Oh le sunset pour faire passer le boom bateau, il a repéré Moj. Moj est repéré, du coup il est éliminé. Oh c'était si malin et comme qui va éliminer Mr. Fallin. Le boombot Satchel qui permet de dézoner ce site B. La taille du cerveau, la redirection est parfaite, le BPA est complètement délaissé. Krax qui... Et non, on décide de retourner en B. Ah, ouais, c'est une victoire, ça va être une victoire, c'est fait. Les EG qui vont rejoindre DRX en playoff. Ce sera un 2-0 pour l'écurie américaine. Ouais, 2-0, à l'inverse de Pearl où leur style d'attaque était très très décevant. On arrive vraiment à trouver des solutions sur cette carte de Bind qui était le choix des foot. On peut quand même souligner la performance des Turcs qui s'est quand même bien battue et qui, je trouve, pour l'instant affiche un niveau encourageant dans ces Champions de Valorant. Écoute mon cher héros, courte pause et on se retrouve avec notre parterre d'analystes plein d'énergie pour débrief et finir cette journée. Thank you.
I'm here with the man himself. It's a Demon One. Give it up for Demon One, everybody. I wish I could shoot like you, because it's unbelievable what you were able to pull off. First and foremost, though, it was great to see you back on the chamber. I know you've had, you know, like many, many rounds on that particular agent. Last time we saw it, it was at finals against Fnatic at in Tokyo. And I guess now that you guys have had more time to cook it up, do you feel more confident? Do you think we're going to be seeing Chamber a bit more from you, maybe on some other maps, perhaps? Yeah, we'll show you what you guys got. Definitely expect more Chamber. Okay, I don't think anyone's mad about that. Am I right, guys? What do you think? More Chamber? There was that one guy waving his head no. It might not be a Chamber fan. That being said, though, FUT definitely played you guys incredibly close, round after round. What was going on in that Pearl game after you guys, you know, had wrapped it up? What were you guys talking about afterwards? Did you feel like you had identified what went wrong in that Pearl game that kind of led to the overtime? We were just making a lot of mistakes, and then after the map, we talked about it, and then we were way more confident going into map 2 about it. Yeah. Was there anything in particular that you guys were just, like, a little concerned about with FUT, or? Not really. We were full confident the whole time. Yeah. Did you? Now, I guess what I'm wondering is, I talk a lot of teams, and, you know, coaches, players, they always say things like, we don't, you know, game plan for other teams. We don't prep for other teams. Is that what you guys do as well, or is that what you're going to give me as well? Do you prep for these teams? Were you getting ready for FUT? Because it felt like they were on a hot streak, and you guys just completely just turned that off. It's mostly Potter and Boosty are prepping and all that, and then they share information with us. But me, I'm just there. You're just there. Yeah, You just want to shoot people in the head. Yeah. And that's it. I love that. Now, here's the thing. Speaking of shooting, you've been shooting a lot of bodies lately, buddy. Mm-hmm. You know, you've been talking some smack online a little bit, buddy. So how does it feel being the villain, the new villain of Valorant right now? Is it something you're embracing? Honestly, I don't give a fuck what you guys say about me. You can call me whatever you want. Well, that was, yeah, sure. All right, we'll go with that one. Hey, well, you know what, man? Look, we're excited to see what you guys can do in bracket play. I'm actually wondering who you guys want to play in brackets. Is there anyone that you were like, give that to me first round, I want to go at it again? Well, obviously, if we want to play Fnatic, that's like the only team we want to play. But like, obviously, we can't play in the first round because they'll be the upper seed as well. Yeah. But as a second seed, I don't really care. You don't care? I don't care. It's all the same to you? Just give us Fnatic. Just give you Fnatic? Yeah. I absolutely love that. Give EG Fnatic. That's what they want. And what we want is to take it away from the stage. Back to you guys. Voilà, petite interview de Demon One après la victoire de EG, du coup, face à FUT. Nous n'irons pas en map 3. On ne verrons pas Ascent. Weeper est du coup la force tranquille. Weeper est avec nous justement pour discuter de cette map, notamment avec Shade. Messieurs, bon, composition tentée de la part de EG, encore une fois, assez originale. On sort le Chamber pour Demon One. En dehors de ça, tout est relativement assez méta. Mais on voit tout de suite que Joe Gemmo a décidé de terminer la game plus vite que prévu, terminer SBO plus vite que prévu, messieurs, avec une très très grosse performance. Est-ce que vous voulez peut-être qu'on revienne peut-être sur l'interview de Demon One, brièvement, pour rappeler justement, est-ce qu'on verra peut-être plus de Chamber ou pas? Oui, voilà, il a dit, écoute, pourquoi pas, peut-être sur d'autres maps, il est plutôt à l'aise avec, apparemment, ça traîne et ça marche bien, donc à voir. Après, c'est très quinri comme interview. Ouais, j'avoue que... De FUT, de toute façon, voilà, nous, on sait qu'on est là, on n'a jamais eu peur, on a fait un peu langue de bois, un peu haut du panier, machin. Il est détestable, mais il le fait exprès. Voilà, on l'a dit, il l'a dit. Hein. Golden Boy a dit, voilà, t'es le nouveau méchant. Qu'est-ce que ça te fait? Oui, il en a rien à foutre. Voilà. Il a dit. Il a le moment où il dit, tu sais, il parle de la préparation, ce que vous avez préparé, FUT et tout. Il dit, ouais, Boostio et Potter un peu, mais ouais, non, je suis venu comme ça. Ouais, je suis là, quoi. C'est vraiment le twist. Et du coup, Golden Boy qui a posé la question, ouais, ça fait quoi d'être le vilain, tout machin. Il a dit, ouais, j'en ai rien à faire. Ouais, ce que les gens disent de moi. Donc, après, il a raison. En vrai, faut le prendre comme ça. Il y a jamais personne qui va. Enfin, tu peux pas être aimé de tout le monde, donc. Là, il force un peu le trait de caractère, mais bon, au final, voilà, l'équipe a quand même, entre guillemets, bien joué. Il y a eu des grosses dingueries individuelles, ils ont pris des relais, quoi. C'était pas si simple quand même, hein, parce que ils se font, bon, FUT se fait mener 6-0, ouais. FUT remonte à 6-6 juste derrière, mais il y a cet incident, hein, notamment durant le round d'écho, où il y a ce pari qui est pris par EG, le force buy, et Joe Gemmo qui sort le Weeper Stinger.
et qui fait littéralement plusieurs, plusieurs échos, plusieurs rounds comme ça un peu glissants. Bah, dès le début du set, tu l'as dit, ouais, le force by Stinger, le doublé Lamp, je crois que c'est ça. C'est ça. Et après Snowball, et puis l'écho qu'ils mettent avec full ulti le post-plant. En post-plant, avec des travers smoke, etc., ajoutés dans l'équation. Ils ont su aussi provoquer leur chance comme ça pour terminer le boulot, mais c'est vrai qu'il y a une certaine confiance qui se dégageait de Demon dans l'interview, mais moi, je n'étais vraiment pas trouvé confiant. Il était là en mode, ramenez-moi Fnatic, Demon, ouais, Fnatic, dans une forme comme ça. Fnatic les éclate 2-0, je pense, sans problème. Donc ouais, c'est un peu comme le même feeling que par rapport à leur victoire hier, c'est que c'est pas non plus très dominant, on les a connus en meilleure forme en fait à Tokyo quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même des rounds assez signatures, hein. T'as cité justement le round post-plant là, avec la rotation parfaite de l'ulti Brimstone, des Molo, des Snakebite notamment de Com d'ailleurs qui fait un super BO, hein, qui est probablement BO. Peut-être l'homme du BO, mais là sur la map, évidemment, on va se pencher sur Jogemo qui remet les crampons sur Raze et qui honnêtement, on l'a vu, hein, Jogemo en termes de confiance et de mécanique et de niveau de jeu, bah, là il n'y avait pas à tortiller, hein, c'était vraiment le roi sur la carte de Bind, 22% de First Blood Shade, un ouais, joueur il était chaud, puis il était en confiance au bout d'un moment, donc il tente des choses, et voilà, plus il force, plus il réussit des dingueries, à un moment, il se double de sa chaîne sur la tête de son adversaire, il met une grosse tête, puis il a un peu de réussite. Il y a le round de reprise aussi, là, où il se prépare un peu. Il y a deux rounds comme ça, ouais, où il saute partout, il tire en sautant, en courant, en volant, et il met n'importe quoi. C'est ça, exactement, ouais. Du coup, messieurs, voilà le récapitulatif. Du coup, enfin, du groupe B, pour le premier qualifié, EG, du coup, va sécuriser sa place en play-off et vont, du coup, affronter DRX. C'est ça, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et derrière, bah, voilà, un foot qui devra attendre l'adversaire, le gagnant du BO entre FPX et T1. Probablement, FPX sera de la partie, on l'espère. En tout cas, on verra. Faisons aussi un petit tour au niveau du groupe du jour, le groupe C, avec justement le premier match disputé par Fnatic et Zeta, ainsi que NRG face à Bilibili Gaming, qui vont déjà faire un très très gros upset 2-0. Weeper, qu'est-ce que t'en penses? Je sais que toi tu as quand même un petit peu suivi Bilibili lors notamment des qualifications chinoises. Est-ce qu'on a un vrai step-up qui a été fait? Ou c'est plutôt NRG au contraire qui a déjoué et qui s'est laissé un peu emporter par le vortex Bilibili? Franchement, Bilibili jouait pas trop mal, encore une fois, ouais, méta sans plus, ni plus ni moins, avec quand même Wheezy, je trouve, la raise vraiment en grande forme. Ouais, mais c'est vrai que Split avec son Judge, c'était assez terrifiant ce qui s'est passé. Mais ouais, NRG sont méconnaissables, NRG sont tremblotants, ils comment mal dans les situations particulières. C'est vraiment un des pires visages qu'on ait vu de leur part depuis l'existence de l'équipe. Shade, on a aussi accueilli aussi Fnatic face à sa division, un match-up qui semblait pas forcément dangereux pour Fnatic et qui confirme le 2-0 assez clair et net avec un très grand Alpha notamment. Ouais, un très grand Hellfire, puis une très belle équipe de Fnatic au global. On les a vus très appliqués, comme d'habitude, rien laissé au hasard, peu importe l'adversaire, le match est préparé, ils arrivent, ils jouent comme il faut, et puis voilà, le résultat est là. C'est expédié, mais avec respect, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas de surcommunication toxique. Pas de balles tirées dans les cadavres. Voilà, on voit ça au scoreboard et ça gagne, ça passe au next. Voilà, du coup, pour le récap de la journée, mesdames et messieurs, on va pouvoir attaquer le planning de demain. Ce n'est pas terminé, on est ensemble jusqu'à la fin de la semaine et on va pouvoir attaquer le groupe A, le groupe de la mort, je pense, hein, clairement. PepperX qui va pouvoir arriver face à Crew et on enchaînera après avec un petit choc EDG contre Giants. Un match qui s'annonce extrêmement important pour l'Europe, encore une fois. Et derrière, on enchaînera avec, évidemment, comme vous le savez maintenant, on prend le winner side du groupe de la veille. Donc, le groupe, du coup, c'est Fnatic affrontera Bilibili Gaming pour tenter d'aller décrocher déjà sa place en play-off. Messieurs, quel est le match qui vous intéresse le plus et ou pourquoi? En vrai, les deux premiers m'intéressent quasiment à la même hauteur, parce qu'on a des équipes, du coup, vraiment surprenantes et qui sont agréables à regarder, PepperX d'un côté, EDG de l'autre. Et en face d'eux, on a des équipes qui sont sorties des Last Qualifiers en étant très convaincantes. Crew avec une remontada fantastique et Giants avec un parcours droit, simple, efficace. Donc j'avoue que ces match-up-là, en plus, qui vont être uniques. Alors peut-être que Crew et PepperX se sont déjà affrontés, genre l'année dernière, un truc comme ça, il y a moyen. C'est possible. Mais dans tous les cas, des match-up un peu uniques. Le retour des équipes spectaculaires comme EDG et PepperX, ça va être un plaisir. Et le retour aussi de Something qu'on a encore jamais vu à l'international. Something qui fait un petit peu peur dans l'ombre depuis maintenant un petit bout de temps, qui va pouvoir arriver avec PepperX et bien évidemment le retour du Krakito Kenkeng, futur meilleur joueur du monde. En tout cas, tout ça, ce sera évidemment dès demain à partir de 20h30. Messieurs, merci encore une fois d'avoir été présents ce soir. On a eu encore une fois une soirée assez assez gourmande en termes de Valorant. Merci Shade, merci Weeper, merci évidemment à Loki et Hero qui étaient là, et on remercie évidemment la technique pour les travaux. Merci à vous d'avoir été présents encore une fois très nombreux ce soir pour les matchs. On vous attend évidemment de pied ferme
ferme dès demain à partir de 20h30 et bien pour le pré-show et 21h voilà, pour ceux qui veulent arriver directement pour la map numéro 1. On vous fait des bisous, on vous souhaite une excellente matinée, nuit, ce que vous voulez. À demain sur LRNTFR pour la suite des Champions. Des bisous.